Et puis sur ce, je vous dis, eh bien, salut Jean, et puis on se retrouve sur FIFA 16. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc on se retrouve pour un premier let's test, pour une première découverte, et puis on verra bien si on peut faire quelque chose de bien sur ce jeu. Ça dépend de vous, ça dépend de moi, comment c'est bien ou pas. En attendant, on va maintenant regarder une petite démo. D'accord, les gars, ils nous mettent une démo en anglais, super. Bon d'accord, j'ai envie de jouer en fait. Le mec il a trop hâte de jouer. On peut pas regarder des démos comme ça. Voilà, donc bah, on voit Messi, notre cher Messi de Barcelone. Oui, et on voit un chargement aussi. C'est super aussi. Ça fait plaisir. J'aime bien toujours les jeux où on est bien accueilli avec un bon chargement au début. Bonjour Estadio tous, Santiago. bienvenue, c'est un plaisir évidemment d'être avec vous dans ce prestigieux stade madrilène de Santiago Bernabéu. D'accord, un Alors, que petit match amical. dire de ce match qui va opposer le FC Barcelone au Real Madrid? Eh bien Hervé, ce sont tout simplement les deux plus grands clubs espagnols, mais aussi deux très grandes formations européennes. Voilà, on le sent, il y a de l'électricité dans l'air. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette rencontre, Franck? C'est un match amical sans véritable enjeu, à part pour les entraîneurs, comme d'habitude. Ok, mais en tout cas c'est très très bien fait. Il faut dire que j'avais pas le 2015, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Le 2014, je l'ai. Mais par contre, du coup, j'ai fait une pause d'un an. Position du Real Madrid. L'équipe qui va s'appuyer sur un milieu assez dense à 5, défense à 4 et un seul attaquant de pointe. Mais c'est quand même assez bien fait. C'est bien fait. La composition du FC Barcelone qui s'affiche. C'est un milieu à 3 qui sera chargé d'alimenter les 3 attaquants. C'est donc un 4-3. Parlez-nous un petit peu de ce stade, qui est le Santiago Bernabéu, situé en plein cœur de Madrid. 80 000 places, l'un des plus imposants d'Europe. Mais le plus impressionnant, ça reste la salle des trophées. Si une coupe existe dans le monde du football, vous êtes à peu près sûr de la trouver là-bas. C'est phénoménal. Pas sûr qu'ils aient gagné la coupe de la Ligue française. Okay, pour l'instant, je parle pas trop parce que j'en profite. C'est très beau. Et maintenant, c'est à nous de jouer. Alors, qu'est-ce qu'il y a pourquoi... Ah d'accord, il y a carrément écrit les touches. C'est bien, écoutez. C'est vrai que pour reprendre, c'est pas mal. Ça déconcentre un peu le rond qu'il y a autour. Écoutez, ça, tout ça c'est des trucs habitués, je pense. Ça, par contre, les joueurs sont un peu plus longs, mais plus réalistes quoi. Bon, après, il faut dire que je suis pas spécialement fan de Real de Madrid. Bon, après, comme il l'a dit, c'est un des meilleurs clubs en Espagne et même peut-être du monde. Mais bien évidemment, plus tard, on va s'intéresser aussi au mode carrière, si on l'a. Je sais même pas, mais je pense bien qu'il y a un mode carrière. Et puis, bah, tout ce qu'il y a à découvrir. Et ça, c'est le but. Et ouais. À la 7ème minute directement. La lucidité de ce joueur dans le dernier geste, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent hein, souvent lors du dernier geste en voulant trop bien faire. Et puis ça paraît tout naturel. C'est le Real Madrid qui prend la tête. Voilà, on verra tout ce qu'il y a encore à découvrir. Vous pouvez me dire dans les commentaires. Je pense que. Bah, ou alors demain directement il y aura une prochaine partie. Ça dépend. Si cette vidéo elle sera longue, il n'y aura pas forcément une deuxième partie. Mais par contre, si elle sera courte cette vidéo. Demain à 17h éventuellement une deuxième partie. Et puis en toute façon sinon ça sera pour la semaine prochaine. Genre le mercredi à 17h je pense. On va se faire une prochaine partie. Parce qu'on va se faire je pense 2-3 vidéos comme ça découvertes avant d'attaquer vraiment quelque chose où on va rester peut-être sur un let's play.
On verra bien. Mais tout ça, vous pouvez dire aussi dans les commentaires tout ce que vous voulez voir et tout ça. Ce que vous voulez découvrir avec moi. Karim Benzema. Et puis, le let's play de Metal Gear Solid, je vais vous en parler de quelques détails encore la prochaine fois. Oh, putain. Quoi ? Ah. Ça me plaît, ça me plaît. C'est déjà compliqué, Hervé. Là, je crois que l'affaire est entendue. Ouais, bon, il a pas forcément fait exprès, mais c'est vrai que ça vaut éventuellement penalty. Par contre, je sais absolument pas, pas les tirer. Ah, notre cher Ronaldo. Bon, alors écoutez, on va voir si j'arrive ou pas. Ouais, c'était nul, mais c'était réussi quand même. Très bien. Avec ses chaussures roses là. On voit la course de là et le but. Ah, il arrête pas souvent, hein, Cristiano Ronaldo. Ok. Ça c'est fait. Pour l'instant, ça se présente plutôt pas mal le match, il faut le dire. Mais niveau ambiance du stade, c'est très très bien foutu. Je sais pas si vous l'entendez correctement parce que j'ai dû faire quelques modifications avant. Et puis du coup, je sais pas si vous l'entendez correctement. Mais au pire, ça sera réglé la prochaine fois. Mais en tout cas, niveau ambiance du terrain, enfin du stade, c'est très très beau. Bon après, on est aussi dans un grand stade et tout. Faut voir après comment ça se présente dans les plus petits stades. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir un peu FIFA parce que vu que j'ai lâché le 2015, Sûr de gardien. Il est l'heure maintenant de reprendre tout ça. Bon après, pour l'instant, je trouve ça un peu gênant les touches indiquées. Mais je pense que si on s'habitue, ça peut être même pas si mal que ça vu que après on peut... Oula. Oh putain. Ah, j'aurais pas pensé que celle-là elle rentre. Ah, de Neymar. Ah. Ah, d'accord. J'ai cru. Non, en fait, il n'y a pas de but. Très bien. C'est très bien pour nous. Mais il faut dire, après, ça fait toujours bizarre parce que vu qu'en début, ils nous font jouer avec des très grandes équipes, ça va faire bizarre après de jouer avec des équipes un peu plus petites, éventuellement, après. Et après, je sais pas s'il y a aussi la Coupe d'Europe dans ce FIFA 16, je sais pas. Je me suis pas renseigné, en fait. Je pense pas. Mais en tout cas, j'ai cru voir un truc avec... le foot féminin. Mais tout ça, on va découvrir dans les prochaines vidéos, en fait. Par contre, le match me semble super long. Je sais pas combien de minutes ils ont réglé, mais ça semble long. Et vu qu'en ce moment j'ai des problèmes avec mon ordi, j'espère pas que la fin de la vidéo sera de nouveau buggée. C'est assez chiant en ce moment et je sais vraiment pas comment régler ça. Je vais aussi m'en occuper de ça les prochains jours. Tu te calmes toi. Et le ballon qui arrive dans la surface. Oula. Un contré. Et puis ce week-end il y aura de nouveau du Formule 1. Reviens, ma chère Anneau. Donc samedi à midi les qualifications et puis dimanche comme d'habitude à midi la course. Je vous invite à aller voir aussi parce qu'en ce moment c'est pas facile. On n'est pas premier du classement avec Vettel, mais par contre on arrive bien à suivre les Mercedes quand même. Et puis je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bon si on gagne un Grand Prix quoi. Busquets. Je sais pas, c'est très très serré. Dani Alves. Gérard Piqué. Et niveau graphisme aussi, c'est beau. C'est très très beau, je trouve.
Suarez. Bon, après, en même temps, moi, ça me fait un effet en plus. Parce que c'est sûr que pour ceux qui ont joué au 2015, je pense que ça fait pas le super effet. Mais par contre, je trouve que ça se voit quand même correctement le niveau graphique. Disons que c'est une bonne chose de garder le ballon. Encore faut-il voir ce que vous en faites. Bon, ça, c'était nul. Il donne carrément le ballon à l'adversaire. Ivan Rakitic. Oh putain, mais là, arrêtez de faire la passe au Barcelone, là. Mais ça continue. Iniesta. Oh, ouais, bon arrêt du gardien sur cette action. Il est à la récupération au milieu de terrain. Et le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Jordi Alba. Oui, il gère quand même le Barça, il faut le dire. Niveau possession de balle, on verra les statistiques après, mais... Lionel Messi. Sur la deuxième partie là, de la première mi-temps, j'ai pas énormément touché la balle. Mais bon, pour l'instant, on peut pas se plaindre. 2-0, ça fait plaisir, écoutez. C'est la mi-temps. Quel est votre sentiment sur la première période livrée par Cristiano Ronaldo ? Il n'a pas tremblé sur son pénalty, c'est bien. Ça reste le fait marquant de sa première période. Attendons de voir la suite. Ok, donc maintenant, est-ce qu'on pourrait voir les statistiques ? Ah d'accord, ils nous mettent carrément une petite démo là, de ce qui s'est passé, ok. Donc niveau statistique, là ouais, position, ouais, je l'ai bien senti cette position de balle. 70% pour le Barcelone. Mais disons... Putain, par contre, tacle aussi. Faute, bon, ça, tout ça, ça va encore. Surtout nous, on s'est bien calmé, mais disons après, faut dire que quand même, on a les deux buts. On a 4 tirs quand même. Et tir cadré, c'était les 4 sur 4. Donc, bah, ça va en fait. Précision de tir, on a 100%. Précision de passe, par contre, là, le Barça... on n'est pas encore. Bon, allez, on va reprendre le match. On va pas se faire chier à faire quelque chose, là. Allez, c'est parti. Real Madrid, hein, qui mène à la mi-temps. Début de la seconde période dans un instant. Tony Kroos. Carvajal. L'occasion peut-être avec cette... Bon, ça, c'est un peu loin, mais faut tenter des fois. Oula, putain, contre 3 joueurs de Barça, ça va être dur, ça va être dur de gérer. Mascherano. Messi. Et puis je pense que dans les prochaines parties aussi, ça sera avec Facecam. Vu que normalement c'est prévu, en tout cas si j'ai le temps, parce que c'est beaucoup de trucs à régler aussi, d'installer la Facecam et tout. Et puis aussi avec le programme d'enregistrement. Mais normalement, comme vous le demandez depuis longtemps, je vais essayer de vous faire tout ça en facecam aussi. Je vous promets rien, mais je vais essayer de vous le faire dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Bonne abnégation sur cette interception. Rakitic. Ils les font super vite les passes. Toni Kroos. C'est bien joué quand même. Et Daniel Alves qui va sortir vainqueur de son duel. Jordi Alba. Andrés Iniesta. Il cherche Luis Suarez. Bon, déjà, les premières années, c'est quand même un développement de ouf qui sont faits quand même. Même si entre chaque FIFA, on le sent pas tellement. Mais par contre, franchement, dire qu'il y a quelques années, on sentait même pas la différence entre chaque joueur. Là maintenant, même en cette vue-là. On voit bien une différence en niveau cheveux, niveau tout, même la taille du joueur et tout ça. On voit vraiment bien la différence entre chaque joueur là. Et ça, c'est quand même assez beau à voir.
C'est du Lucien. Et Cristiano Ronaldo maintenant. Bon, faut dire que le Barça, Iniesta. Ils sont non-stop là, la balle, mais par contre, ils arrivent vraiment pas à faire des tirs. Ça, c'est. C'est sûr. Les actions, il y en a pas beaucoup. Pour le. Enfin, des actions dangereuses. Du côté Barça. Allez, allez, allez. Non. Non, putain. Ah. Putain, mais il fallait que. Ce soit mieux placé le deuxième joueur. Centre pour Messi. Oh, le sauvetage du gardien. Waouh. Et c'est bien conservé. Ça c'était beau. Et puis un tir cadré. Du Barça. Perspective. On récupère ce ballon dans notre jeu. Neymar. Jordi Alba. Oh, ils ont un bon coup à jouer là, attention. Oh, il a réussi à passer. Ah, c'est finalement un centre. Et ben non. Modric. Donc pour l'instant, on est quand même dans une position assez favorable vu que on gagne 2-0. Allez, 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 allez. Mais putain, non. L'arbitre accorde donc un coup franc au merengue du Real. Ça vaut un carton, ça. Non, pas de carton. Deschamps, gentil arbitre. Ah, avec la fameuse mousse, mais on voit pas en fait là. Si. Est-ce que ça serait pas Toni Kroos ça? Ah, non, on la voit pas. C'est en noir, c'est en noir. D'accord. Ah oui, c'est l'autre truc, c'est pas la mousse là. Allez. Je sais absolument pas comment les faire, mais en plus il nous l'indique, donc c'est bien. Bon, on va essayer de faire quelque chose. Bon, bah, c'est directement par dans les mains du gardien. Iniesta. Lionel Messi. Tout droit dans les bras du gardien. Ouais, il fallait sortir, c'est bien joué. On a encore 9 minutes et je pense que ça devrait être bon pour nous. On va éviter qu'il nous marque encore un but là. Ouais, bah. J'ai dit qu'on va éviter. Et puis juste au moment où j'ai dit on va éviter, mais il nous le marque. Ok, bah là, on va finalement encore faire gaffe là dans les dernières minutes. Pas qu'il y ait encore quelque chose là qui nous arrive sur les derniers mètres. Bon, faut dire que là, les dernières minutes, le Barça nous met bien quand même la pression. Heureusement, dans les premières minutes de la première. Très bien passé pour nous. Écoutez, les supporters qui poussent en cette fin de match, ils savent qu'on est peut-être à un tournant de cette rencontre. Allez, grosse ambiance ici, en effet. Il faut dire qu'il y a peut-être un bon coup à jouer. Les joueurs le savent bien. Luis Suarez. Oh putain. Eh, mais là, Barça, calme-toi. Il faut se calmer immédiatement. Non, mais putain, mais dégage cette balle. Le mec, il met tranquillement là encore. Putain, c'est la pression là, ça j'aime pas encore à la dernière minute là. Putain, mais dégagez cette balle, putain. Le gardien qui est monté, on joue le tout pour le tout. Putain, mais là ça va être. En fait, ça sera jusqu'à la fin, ça sera ça quoi. Jouer des coups dans la surface. Voilà. Maintenant il faut dégager ça par contre. Mais c'est scandaleux quand même. Ah voilà. Ça qu'on veut voir. Mais ça on veut pas voir par contre. Rafinha.
Bon, faut dire que c'est très très bien joué du de Barça quand même. Voilà. Bon, finalement, un 2 à 1. Qui s'impose dans ce match. Franck, un mot sur ce match qui a tenu toutes ses promesses. Hein. Eh oui, l'enjeu était de taille hein, et pour les supporters, eh bien cette victoire fait du bien. Pour eux, ce n'est pas loin d'être le match de la saison. Alors quand on a gagné, eh bien on la savoure cette victoire. Franck, vous avez pensé quoi exactement de la prestation de Cristiano Ronaldo? Ah, je retiendrai surtout son duel réussi face au gardien sur le pénalty. Bon, donc maintenant, je pense qu'on va déjà s'arrêter là tout doucement parce que finalement le match a duré bien longtemps. Plus longtemps que prévu. Fin du match. Parce que j'ai envie de voir aussi un peu autre chose de ce jeu. Mais je pense que ça sera dans une des prochaines parties. Je vous promets rien si encore une vidéo, peut-être éventuellement demain après-midi. De toute façon, vous êtes en courant sur Facebook. J'ai lu, oui, j'accepte. Continue. De toute façon, on lit jamais. Semi-pro, classique, d'accord. Donc ça, c'est les trucs qui nous conseillent. Bon, écoutez, on va voir. Enfin, d'accélérer votre découverte de FIFA 16. Oui, utiliser ces paramètres. Mais pourquoi Ajaccio, là? Attendez, on va voir ça. Donc, expert, je suis pas. Non. Mais pourquoi il n'y a pas écrit semi-pro ici? Déjà, ça va pas. Je joue de manière accès. Oui, bah c'est ça en fait. Intermédiaire, oui. Classique, oui, je pense que ça devrait bien se passer. Oui, classique. Bah écoutez, on va prendre. Ah oui, vous voyez, il y a les femmes ici. C'est pas mal, écoutez, là il y a les femmes. Ok, il y a quoi encore sinon? Reste du monde. National. Écoutez, on va pas se faire chier, on va pas prendre une petite équipe, on va prendre la France tout simplement. Voilà, on va aller prendre tout simplement l'équipe de France, voilà. Mise à jour du catalogue IRM. De toute façon, je crois que c'est juste l'équipe préférée. Donc, tout va bien. Ok. Donc, par contre, pour le reste, on va découvrir ça dans une prochaine vidéo, donc ça sera ou alors demain l'après-midi, ou alors la semaine prochaine, mercredi. Je vous tiendrai en courant sur Facebook, et puis ce week-end, n'oubliez pas qu'il y a le Formule 1. Donc sur ce, salut Jean, et à très très bientôt pour la suite de FIFA 16.